Hey, salut à tous, c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. On se retrouve aujourd'hui pour une morning routine express d'environ 15 minutes et vous avez besoin d'aucun matériel. Mais juste avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à me lâcher un petit like pour ne rater aucun des Monday Workouts qui sortira sur la chaîne. Et ça me permet d'avoir un peu de soutien, c'est pas mal aussi. Une routine parfaite le matin avant d'aller travailler ou alors d'aller en cours qui va vous permettre de vous réveiller musculairement et aussi de vous tenir en forme. On est prêt? On est chaud? C'est parti! Ok, on va enchaîner 45 secondes d'exercice non-stop pendant 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, ça va être progressif. On va s'installer directement ici au sol. On va venir étirer la hanche avant, comme ça, ici. Ensuite, on repositionne ses mains au sol. On passe en planche et on alterne. Et on se redresse. Allez, c'est le matin. On n'est peut-être pas encore totalement réveillé. On pouvait même faire cette séance en pyjama, ça va vous dynamiser, ça va vous réveiller, ça peut devenir votre routine quotidienne, hein. Bien entendu, vous pouvez la faire quasiment tous les jours, même si vous avez une autre séance le soir ou autre, sans problème. Allez, on respire bien et on rebascule. Ici, on va basculer sur les genoux ici, en groupé, on va basculer vers l'avant. En pompe, groupé et pompe. Allez, on prend son temps. Allez à votre rythme. On est là pour se faire du bien. On est là pour se faire plaisir. On reste ici, à quatre pattes, et on va venir faire un coup de genou et extension ici. On essaye d'avoir le dos plus ou moins neutre et rester en gainage. Allez, c'est le petit renfort du matin qui fait du bien. On tracte les abdos, on serre le ventre. Super. On fait toujours le même côté. Et après, au prochain dip, on passera au côté opposé. Ah, il y a le corps qui craque. Le corps qui se réveille. Ça fait du bien. On change de sens, on se repositionne bien. Ici. Et on vient. C'est genoux, coude opposé. Pour garder de la stabilité. Et on vient chercher à se grandir, à tirer. Le bras vers l'avant et le pied vers l'arrière. On réveille à la fois les épaules, le dos, l'ensemble du tronc, les fessiers, les cuisses et les bras. Super. Ça peut être un peu inconfortable à faire le matin, c'est normal. Le corps, il était inactif pendant de longues heures. Et de faire une petite routine comme ça, même rapide, progressive le matin, ça peut vous faire énormément de bien pour maximiser l'énergie. On va être en combo Superman. Ici, on soulève les bras et on ramène derrière. On ramène ici les bras sans jamais toucher le sol et on vient lever vers l'avant. On ramène derrière et on soulève. Je vais me ramener au centre du tapis. Ici, on tourne les paumes de main dans le ciel, on ramène dans le dos, on ramène ici, on longe le sol, on frôle le sol. C'est bien. Pas la peine d'aller trop vite ici. On va basculer en planche à quatre pattes. On vient tendre une jambe, puis l'autre. On écarte un petit peu les mains, un petit peu les pieds et on vient tendre les bras. Étirez le dos ici. Si vous avez les jambes pliées, c'est pas très grave. On fait en fonction de sa souplesse. Puis on se ramène ici. On inspire. Et on expire.
Encore. On va venir basculer directement sur le dos. En hip thrust, prenez le temps dans les transitions, on n'est pas pressé. Et on va venir monter le bassin, on reste 3 secondes et on redescend. On remonte, on tient, 1, 2, 3 et on redescend. C'est bien, encore. Allez, 1, 2, 3, super. On remonte, 1, 2, 3 et on redescend. Si vous avez besoin de boire pendant ce petit entraînement, n'hésitez pas. 1, 2, 3, on redescend. Encore, 1, 2, 3, ok. On va venir se redresser. Ici, mettez-vous face à moi. On va venir descendre en squat sumo. On écarte les jambes, on les met vers l'extérieur. On descend en squat sumo. Et en remontant, on est sur les mollets. Ok ? Donc ici, on peut même le faire en bas. Mollet. Et on redescend. Ici, en bas, décolle les talons pour venir travailler les mollets. Et tu te redresses. En bas, on décolle les talons. Et on se redresse. Dos droit, fesses en arrière. Dos droit, toujours. Et on descend bien en bas. Et on décolle les talons. Ça crée une petite instabilité, c'est normal aussi. Allez, poussez fort. Bien en bas, pousse bien les fesses derrière. Encore. Ok, super. On va partir en fente arrière. On va pas chercher forcément ici la vitesse. On peut avoir le genou qui vient toucher le sol. Mais l'idéal, c'est vraiment juste de le frôler. On garde le dos droit. On va chercher derrière. En fente simple. Le matin, on est un peu déséquilibré. Ça permet aussi de dire au corps, ok, ça y est, je suis actif. Je suis là. Où sont mes appuis? De se réveiller tout doucement, sans sauter de partout non plus. Allez, super. C'est parfait aussi pour une séance, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler debout. Ça va vous faire du bien pour la circulation sanguine. Parfait. On va partir en corde à sauter. Allez, on souffle bien. On active un peu de cardio là. On a déjà la moitié de la séance. On a fait de la mobilisation articulaire active. Pas forcément des étirements. Ou alors si vous voulez le matin, faites une séance de stretching à part entière. Non, on va passer une bonne journée après ça. On va se sentir bien, en forme. Pensez à bien boire de l'eau après cette séance. Et là, je peux vous garantir que vous allez péter le feu pendant toute votre journée. Vous m'en direz des nouvelles. Ok. On va se mettre ici, en soulevé de terre. On va venir, je vous mets de profil pour que vous puissiez bien me voir. On vient pousser les bras en arrière. Et là, on vient faire un mouvement de bras. On tend les bras, on pousse les fessiers en arrière. Donc le mouvement de soulevé de terre, c'est comme si tu faisais dos droit, ici, pour travailler l'arrière des cuisses. Une fois que tu es en bas, comme si tu tirais une poulie, si tu avais une corde, un élastique, que tu viens tirer. Tu viens ici, serrer les omoplates arrière. Encore. Ici. On va passer maintenant en marche de l'ours, plus pompe. On descend ici sur les mains. Et on vient. Pompe au sol. Si c'est trop difficile, vous faites sans la pompe. On redescend. Et si c'est facile et que vous êtes déjà en train de bien vous réveiller, on peut accélérer. Et dos droit pour se redresser encore. On redescend, ici, pompe. On va venir rester en planche, rester au sol. On va venir poster nos bras ici, parallèles. On peut rester en gainage simple. Et sinon, on passe en planche twistée. On est à gauche, puis à droite.
Ah, c'est bien, tiens. Si c'est trop difficile, tu twistes avec un genou au sol. Sinon, on maintient encore. Parfait. On va partir ici en abdos. Touch cheville. On vient chercher à décoller les épaules en regardant l'air ou un petit peu devant soi. Casse pas trop sa nuque ici, regardez entre ses jambes. On vient toucher les chevilles, on peut rapprocher les pieds des fessiers. Encore. Vous allez voir, ça peut tirer un peu dans la nuque, c'est normal. Ça fait toujours ça un petit peu au début, ça va se renforcer avec le temps. On s'accroche. Si besoin, vous reposez la nuque quelques instants. Puis ensuite, vous vous redressez. Et on va passer à nouveau à quatre pattes. C'est parti. Ici, à quatre pattes, on va venir tendre la jambe droite. Et on va venir faire des petits demi-cercles. Pour venir réveiller et activer son fessier. Super. Viens vraiment faire des demi-cercles ici. En haut. Bien à gauche. Bien à droite sur l'extérieur. Encore. Super. On souffle bien. On respire. 4, 3, 2 et 1. On change de jambe. On arme son pied gauche ou inversement son pied droit. Et on fait. Extrémité. De l'autre côté. Et encore. Allez, c'est bien la team. Vous avez fait déjà plus de 10 minutes. On coupe pas cette vidéo. Il y a une règle sur la chaîne. On n'est pas des tranches de pain de mie ici. Donc ce qu'on fait, c'est quand on entame une séance, on la finit. Jusqu'à l'infini, mais on la finit. Interdiction ici de finir sa séance en faisant pause. On la termine jusqu'au bout. Parce qu'on est des warriors. Même le matin. Même à la morning routine. Encore. Ok, ramène tes genoux ici. On va venir décoller en bière planque. Et quand je vous dirai, il viendra toucher ses genoux. La position, on la garde, on maintient encore un petit peu ici. Parfait. Tu es prêt? Donc si c'est trop dur, bien sûr, tu peux poser de temps en temps tes genoux. Et là, on vient toucher le genou. Voilà. Allez, garde bien. Monte pas trop les jambes ici. Essaye de les garder. Tu peux écarter un peu les jambes pour la stabilité, mais de les garder vraiment proche du sol. Super. Encore. Allez, 8 secondes. C'est passé super vite. Accroche-toi. Encore. Super. Allez, on va se redresser. On va partir en squat, coup de genou. Fais-toi face à moi. On descend en squat. Et on va chercher le coup des genoux opposés. Encore. Allez, descends bien en bas. Belle amplitude. Je préfère que tu ailles moins vite et que tu le fasses mieux plutôt que de me faire. On descend, on remonte. Coup de genou. On descend, on remonte. Coup de genou. Encore. Allez, c'est bien. Et on va finir avec un exercice de cardio. Jumping jack. Pour finir de bien se réveiller. On est prêt? Allez, c'est parti. Allez, 40 petites secondes et on aura fini notre morning workout express pour bien se mettre en jambes pour notre journée. On est là, on se fait du bien. On prend soin de soi, soin de son corps, soin de sa santé. Accrochez-vous. Super. Encore. Allez. 10 secondes. C'est bien, lâchez rien, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Yo!
Merci à tous de vous être entraînés avec moi, que ce soit une morning routine ou une night routine. J'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve à très bientôt pour un prochain Monday Workout lundi prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous sur Instagram. Ciao, ciao!